fais partie des gens à avoir la préoccupation de l'hygiène des poignées de porte, notamment dans les lieux publics, dans les stations-service, dans les bars, dans les restaurants. Donc j'ouvrais toujours un peu avec l'avant-bras ou avec le coude ou avec le pied. Même juste avant le premier confinement, donc la semaine avant le 20 mars 2020, j'étais au ski pour accéder aux toilettes du restaurant d'altitude. En bas des escaliers, ils avaient mis un seau pour tenir la porte pour qu'on puisse l'ouvrir avec la chaussure de ski. Et c'est à cet endroit-là que j'ai eu l'idée de la forme de la coudée. En fait, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait potentiellement des produits toxiques, que c'était super polluant, les tampons et les serviettes, et que ça coûtait cher. Donc, ces trois problématiques ensemble, eh bien, j'ai trouvé un système pour que ce soit des tampons et des serviettes bio et qu'ils soient gratuits pour les utilisatrices. On est dans plus de 500 établissements scolaires, collèges, lycées, universités, et on distribue à peu près 2 millions de tampons et de serviettes gratuitement par mois. Donc, ce sont les collectivités qui, elles, payent pour une mise à disposition gratuite, in fine, des utilisatrices. C'est une semi-remorque équipée d'un bassin pour apprendre à nager. En France, il y a un certain nombre de territoires qui sont en pénurie de bassins et il faut permettre à tout le monde d'apprendre à nager pour éviter les noyades qu'on a entre autres les étés qui malheureusement font un certain nombre de drames. À la demande des maires ou des régions, des départements, et on va aller dans les cours d'école, dans les villages, de village en village, apprendre aux enfants à nager. On aimerait bien gagner bien sûr, mais l'important c'est déjà de participer, ça nous donne une belle visibilité. Et puis on est confiant, on aura certainement un prix, lequel je ne sais pas.